Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Choup Barbecue. Aujourd'hui j'avais tout simplement envie de me faire plaisir et de vous faire partager ça. Je me fais un méga burger version food porn. Ça va être une tuerie les amis. On va préparer notre méga burger les amis. Regardez-moi ça, 460 g de bœuf. On va se faire un truc de fou. On va faire plusieurs steaks. Hop. Je pense qu'on va réussir à faire 3 beaux steaks. Ça va être énorme. Je rajoute rien du tout dans la viande. Viande de bœuf pure là, pour l'instant. Hop, tchac. Regardez-moi ça si c'est pas beau cette épaisseur. Ça c'est le premier. Bon, ce sera peut-être pas à tous les mêmes épaisseurs, mais ça c'est pas grave du tout. Hop, le second. Et le troisième, les amis. 3 méga steaks. Voilà, regardez ça, la taille des steaks, c'est pas monstrueux ça, pour un seul hamburger les amis. Hop, regardez-moi ça, la petite surprise qui était déjà dans le barbecue, des potatoes. Ça, je vous prépare la recette prochainement en vidéo sans problème. On va passer un bon coup de brosse sur nos grilles. Pareil, toujours très important, n'oublie pas la brosse les amis, hein. Et là, dans un premier temps, regardez, du bacon qu'on va mettre directement au-dessus. Regardez ça les amis, mon bacon il est cuit, il y a même un peu de flamme. Ça va avoir un super bon petit goût, je vais mettre ça de côté. On va passer à la cuisson des steaks les amis. Je vous ai pas menti, regardez-moi ça. Si on n'est pas dans du food porn là, directement au-dessus de la braise. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive sur la viande pour que ça n'adhère pas trop à la grille. Et là... on est vraiment dans le mode du grill. Après quelques minutes, on va retourner nos steaks. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Celui-là, il a les bonnes traces de la grill. Hop, voilà. On va saler et poivrer. J'en profite, je mets le sel de mon pote Seb. Du poivre, hop. Moi j'aime bien que ce soit assez fort. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre, les amis? Du fromage, du bon cheddar. Hop, une belle tranche. Une petite tranche d'emmental aussi, tant qu'à faire. Voilà. Maintenant, je les passe en cuisson indirecte. Comme ceci. Pour bien faire fondre le fromage sans trop cuire le steak. Et là on va refermer la cloche.
voilà les amis, regardez mon fromage a bien fondu. On va maintenant passer juste notre pain burger sur la braise, vraiment quelques secondes. Comme je vous ai dit maintenant les amis, on passe au dressage sur notre pain. La base, un peu de ketchup. Hop, voilà. Je vais mettre des oignons frits. Hop, comme ceci. Là, on va mettre le premier steak. Regardez-moi ça, c'est pas joli. On remet un peu d'oignon frit. Et là, j'ai une sauce cheddar bacon. Celle-là, elle est franchement terrible. Hop, le deuxième steak. Oh là 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 là. Je remets un peu d'oignon frit encore une fois. Maintenant, regardez, on va mettre le bacon. Je vais limite avoir du mal à le faire tenir au-dessus. Voilà, tout y tient, c'est impeccable. Ah, il restait un petit morceau sur le barbecue. Et je vous ai pas menti, le troisième steak. Hop. Là, on met un peu d'oignon frit, évidemment. Je vais remettre un peu de sauce cheddar. Je suis sûr que ça vous fait envie, les amis. La salade, j'ai pris de la mâche. Ça va changer un petit peu. Ça va être beaucoup plus sympa. Bon, les tomates, laissez tomber. Vous en verrez pas. J'aime pas ça. Hop. Waouh. Il est pas énorme, ce burger. Un peu de potatoes, évidemment. Voilà, les amis. Regardez-moi ce méga burger, s'il n'est pas énorme. Là, je peux vous dire, je ne sais pas si je vais le finir. Si, en fait, je vais le finir, je vais le tuer, les amis. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je peux vous dire que ce burger de fou, il m'a totalement calé. J'ai vraiment eu du mal à le terminer. Donc c'était vraiment, là on était vraiment en food porn, il n'y a aucun problème. Je suis obligé de passer par un petit digestif pour bien digérer tout ça et repartir de plus belle du lendemain les amis. Je voudrais passer un petit big up à Hugo qui m'avait offert cette planche il y a quelques années et qui aujourd'hui est à l'autre bout du monde. Donc voilà les amis, je vous souhaite à bientôt. N'hésitez pas à me lâcher un petit like sur cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Je ferai peut-être d'autres vidéos en mode food porn sur le barbecue. À bientôt les amis. Ciao.